Vous savez, quand je voyage dans le monde, bien souvent, je suis un petit peu pris, harcelé pour des photos, pour un tas de choses. Mais je me dis, pas de problème, la semaine prochaine, je serai au bord de mon étang, et là, ça sera formidable. J'ai deux résidences. Une résidence d'été et une résidence d'hiver. Là, on arrive vers la résidence d'été, là. Moi, j'ai une jeunesse formidable pour la bonne raison que j'habitais au bord de cette rivière. Mais toute ma famille, mes parents, mes grands-parents, nous étions donc des riverains. Et en général, les gens de la commune d'en haut nous appelaient les pirates. Pour la bonne raison qu'on savait pêcher, on savait prendre les lièvres au collet, les lapins. Et puis, notre vie se passait surtout au bord de l'eau. La rivière nous a quand même nourri toute la guerre. Après, moi, je me suis engagé dans l'armée. Je suis parti, donc j'ai fait la campagne d'Italie, campagne de France. J'étais blessé en Alsace et démobilisé. Et après, donc, j'ai eu la chance de tomber dans des grandes maisons et de faire le parcours que j'ai fait. Voilà. Allez, viens là. Vous allez découvrir cet endroit où c'est le point de rupture de Paul Bocuse entre le monsieur Paul et Paul Bocuse. De New York à Tokyo, Paul Bocuse est le plus célèbre ambassadeur de la cuisine française à travers le monde. Il nous reçoit chez lui à Collonges, la même où tout a commencé. De Fernandel aux époux Clinton, les plus grands sont venus jusqu'à Collonges afin d'y déguster la fameuse soupe aux truffes, la seule Fernand Point ou les rougets en écailles de pommes de terre. Chaque soir, la salle est comble et dans la cuisine, c'est l'ébullition. Alors, ça fait 30 ans que je travaille pour Paul Bocuse. C'est une personne qui sait ce qu'il veut, quoi. C'est-à-dire qu'il aime le travail bien fait. Il est exigeant, mais c'est normal. Quand on tient 3 étoiles, il faut être exigeant. Et puis autrement, c'est un homme qui est droit. Bon, alors voilà, c'était la maison de mes grands-parents. Alors là, on a transformé un petit peu. Serge, bonjour. Là, il y a une énorme cheminée où on arrive à cuire les volailles, les cochons, les jambons. C'est-à-dire on cuit tout au feu de bois, sur des broches. Ici, il y a la cuisine de ma grand-mère. C'est-à-dire ma grand-mère a été dans cette cuisine jusqu'en 1924. Donc c'était la cuisine du restaurant, bien sûr. Moi, j'ai agrandi un petit peu, mais il y avait simplement une seule salle. C'était celle-ci. Et là, donc, ça donnait sur la rivière. Donc c'était la rivière, la Saône. Alors donc là, j'ai mis tous les chefs. Vous voyez, bon, il y a tous les chefs que j'estime, qui sont en général Shizotsuji, Chapelle, le nôtre... Ah. Soixante années de carrière, 3 étoiles au prestigieux Guide Rouge depuis 1965. C'est à force de travail et de passion que Paul Bocuse s'est imposé comme une véritable légende, rejoignant ainsi les Carême, Escoffier et Vatel. Si aujourd'hui il est unanimement reconnu par ses pairs comme celui qui a posé les bases de la grande gastronomie française, il se définit avant tout comme le gardien des traditions. Pour lui, rien ne vaut la cuisine de sa grand-mère. Son secret ? Les meilleurs produits, un bon vin, une table chaleureuse et accueillante, et beaucoup de rigueur. Oui, vous savez, quand j'étais gamin, chaque année, pour le 14 juillet, il arrivait ce qu'on appelait chez nous
en termes la Vogue. La Vogue, c'est la fête foraine. Et dans cette fête foraine, il y avait des manèges de chaux de bois et des manèges de pousse-pousse. Et sur le côté, il y avait une espèce de grande boîte carrée, comme j'ai à l'entrée là-bas. Et il y avait des cartons perforés et ça jouait de la musique. Je trouvais ça, j'étais fasciné, je restais des heures devant cet appareil qui était déjà un limonaire. Et un jour, j'ai eu l'occasion d'avoir une collection. J'ai trouvé celui-ci du côté de Thiers. Et bien sûr, il avait été muré, si vous voulez, pendant la guerre de 14, parce que où il était, dans l'endroit où il était, ça devait être une salle pour les blessés de la guerre de 14. Et les gens avaient peur qu'on leur prenne, ils l'avaient muré. Et moi, je l'ai retrouvé en 1969. On l'a démuré, il était derrière, dans un garage, c'était toute une histoire. Et quand on s'est aperçu qu'il était aussi grand, il est resté à peu près muré, presque 50 ans. Et donc, là, j'avais ça, je n'avais pas quoi en faire, donc j'ai construit la salle pour lui. Si cette salle est là, c'est pour lui. C'est une salle qui nous sert uniquement pour des mariages, des banquets, des réceptions, des présentations de matériel, des présentations de voitures. C'est calculé qu'on peut rentrer, manger autour des voitures et on peut rentrer les voitures dans la salle. On a fait des Formule 1, on a fait beaucoup de choses. Son parcours est exceptionnel. Des fourneaux de la mère Brasier au restaurant de Fernand Point, en passant par les cuisines de Lucas Carton, il a appris pas à pas les bases de la cuisine d'un pays qui lui est si cher. La France. T'as pas trouvé la planche de Gérard, hein ? Aujourd'hui, Monsieur Paul prépare lui-même sa célèbre volaille de Bresse pour un invité de marque. Le patron du tout-puissant guide Michelin est venu saluer le maître. Aussi divin que spectaculaire, la poularde aux pattes bleues est d'abord savamment parée. C'est bon, monsieur, c'est bon. Poché à petit feu, cuite en vessie, elle garde alors tous les arômes, les saveurs. Délicatement découpée devant les clients par les maîtres d'hôtel, elle est accompagnée de petits légumes, de mori et d'une sauce fine et crémeuse. Un véritable chef-d'œuvre. L'heure du déjeuner. Un moment sacré que Monsieur Paul ne manque pour rien au monde. On mange une spécialité marocaine avec ma charmante secrétaire. Donc c'est un plat typiquement marocain. Qui s'appelle comment ? Choucroute d'Alsace. C'est bon ? Très bon. Très bon. Vous savez, pour moi, c'est... la cuisine, c'est le bonheur, pour la bonne raison que je dis toujours, le bonheur est dans la cuisine. Et cuisiner pour ses amis, cuisiner... La cuisine ne veut pas dire employer des produits chers, un bon maquereau, une bonne sardine, un bœuf bourguignon, une tripe, pour moi ça peut être de la grande cuisine. Bon produit ne veut pas dire produit cher. Bon, on est dans les Halles de la Part-Dieu, donc ça s'appelle les Halles de Lyon. C'est un marché qui fait du demi-gros et qui fait des particuliers, mais vous verrez, c'est la qualité. Vers ce qu'on appelle la mère Richard, là. Est-ce que Madame Richard est là? Madame Richard n'est pas là, mais on va voir quand même. Ça, c'est le fameux fromage, là, le fameux fromage Chamarcelin. Mais ça, c'est surtout la spécialité. Hein? Bonjour. Vous voyez, donc, il y a les premiers marrons qui arrivent, là. Première châtaigne, les champignons, les cèpes, voilà. Il y a quand même de très beaux cèpes, hein. Des cèpes qui sont formidables, là. Hein. Alors, les chefs, là, ça va ? Où elles sont, ces volailles de Bresse, là ? Juste là. Voilà. Un boucher, là. Bonjour, monsieur Trollier. Nécessaire. Hum? Parce que lui, il travaille.
bien sûr, vous voyez, il y a une qualité. Donc bonjour. Regardez les rougets, regardez les rascasses, les dorades. Non, je ne sais pas faire les appels. Non, non. Il est pas périmé, non? Non. Si vous voulez que je vous définisse Paul Bocuse en un mot, ce serait le mot générosité. Générosité dans sa cuisine, générosité pour ses amis, générosité pour les gens qui arrivent chez lui. C'est toujours l'abondance. Et s'il a réussi comme ça, je pense que c'est parce qu'il n'a jamais voulu tout garder pour lui. Il a toujours partagé avec les autres. Et c'est un des secrets de sa réussite. Oui. Il faut me plus garer. Non. Ah. C'est la panique. Alors, c'est prêt? C'est pas prêt, mais on va pouvoir en parler. Bon. Bonjour. Bon, c'est dommage. Parce que c'est bien qu'il habite la commune. Hein. Sa réussite, Paul Bocuse la doit aussi à un incroyable sens des affaires et de l'image. Alain Vavreau, le designer star des grands chefs, crée, dessine et réalise chaque projet de son ami et mentor depuis plus d'une quinzaine d'années. Ouais, c'est dommage parce qu'en fait, tout est parti chez Graphistar, mais en gros. Le sud. Le sud, ça va être quelque chose de... Attends. On n'a pas les anciennes. Ah si, on a les anciennes. On a les anciennes. Ah ben voilà. Puis là, les assiettes sont là. Voilà. Et une assiette du sud. Le sud, tu dois l'avoir là-dessous. Attends, on me fait voir, toi. C'est quoi, toi? Le sud, il est là. Oui. Tac. Voilà. Ça, c'est la nouvelle brasserie. Regarde. Voilà. Donc le sud, c'est vrai, c'est vraiment dommage que j'ai pas les réalisations. Donc on est dans ce format. Mais demain, on peut les avoir. Demain, on aura tout. Bon, bah demain. Demain, vendredi matin, ouais, plutôt. Oui. Hein? Donc on est dans le format d'Argenson, exactement la même chose, sauf que c'est on a une bande sur le côté et un dessin en réserve qui est un petit peu dans cet esprit-là, mais gardé volontairement très crayonné comme ça. Donc tout est en réserve dans une couleur pastel, avec le logo qui vient au-dessus. Vous savez, c'est important d'avoir son image. C'est pour ça qu'il faut des hommes de qualité. Et quand on est bien entouré, c'est plus facile. Non, mais en plus de tout, Paul Bocuse est vraiment motivé par l'image. C'est son côté récréation, c'est-à-dire sa motivation première, c'est ça. Hein, c'est l'illustration, l'image, la communication. Bien sûr. Et pour nous, c'est formidable. Le problème, c'est qu'il faut arriver à le suivre tous les jours. Restaurant, franchise, merchandising. De Lyon à Orlando, Paul Bocuse peut se féliciter d'avoir conquis le monde. En cuisine, aujourd'hui, il est quand même, on va dire, enfermé, entre guillemets, dans une cuisine très traditionnelle. Qui peut pas... Alors, il y a les brasseries, il y a d'un côté... parce qu'il y a quand même deux aspects. Il y a l'aspect le restaurant Paul Bocuse, qui est vraiment cuisine de tradition, comme il l'a dit tout à l'heure, la cuisine de sa grand-mère. Et puis à côté, les brasseries, où là, justement, il peut se lâcher, c'est-à-dire faire des recettes étrangères, des présentations plus culottées, plus osées, plus créatives. Un personnel trié sur le volet, des produits de qualité, des prix modérés. Des règles d'or auxquelles Paul Bocuse n'a jamais dérogé. Voilà, on arrive à l'Est, là, c'est une brasserie. Le thème, c'est la cuisine des voyages, et donc nous avons un bon équipage. Ça va? Bonjour. Alors, cinéma. Bonjour. Allez. On est après mettre au point les plats pour la future brasserie d'Ouest. Donc ça va être les plats qui vont être sur la nouvelle carte de l'Ouest. C'est-à-dire Hawaï, la Polynésie, Cuba, les Antilles. Chaque brasserie a un thème spécial. Ça, c'est la cuisine des voyages, donc les trains tournent. Ah, c'est bien. Mais faut pas mettre de la vanille comme ça, parce que... Deux. Ah, 2 heures. Ils tombent en compote à 2 heures. Les cuisiniers mangent leur cuisine. Donc s'ils mangent leur cuisine, ça risque d'être bon. C'est très important. Vous êtes content? On est satisfait. Bonjour messieurs. On arrive vers la future brasserie, la brasserie de l'Ouest. Donc il nous reste 2 mois jour pour jour avant d'ouvrir. C'est un bâtiment qui fait sur 3 étages puisqu'il y a le parking dessous. Et l'été,
on va pouvoir, si vous voulez, monter pour que les gens soient à l'air. Là, ça va être les cuisines. Toutes les cuisines, là. La salle à manger. Les salles. Le bar, là-bas. Donc, vous voyez, c'est un beau projet. Dans ces concepts comme l'Ouest, où on travaille à plusieurs personnes pour mettre au point le projet, il amène énormément d'idées parce qu'il voyage beaucoup et c'est un point important. Les projets, c'est important d'avoir des projets dans la vie parce qu'il ne faut pas regarder derrière, il faut regarder dans l'avenir. Une de ses plus belles histoires d'amour est sans doute celle qui le lie avec la maison Bernachon, le maître chocolatier lyonnais. De Collonges au palais de l'Élysée, c'est ensemble qu'ils ont gravi les marches de la gloire. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour chef. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors? La plaque, la plaque. La plaque. Ah, on attaque les feux d'automne. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour mesdames. Voilà. Voilà Jean-Jacques Bernachon, qui est la suite des Bernachon, puisque c'est le papa Maurice Bernachon qui a créé le chocolat, on peut dire le chocolat des Grands Crus, il y a 50 ans. Oui. Et donc la suite est bien assurée parce qu'il y a Jean-Jacques et il y a Philippe là, qui est là derrière, donc la continuité va être bonne. Ce qui sort de la maison Bernachon, le gâteau fétiche, c'est quand même ce qu'on a fait. Le président, c'est un gâteau qui a été créé en 1975. Donc, on avait été à l'Élysée parce que j'avais été décoré de la Légion d'honneur par le président. Et on avait fait ce gâteau-là, et entre autres la soupe aux truffes. Et le gâteau, si vous voulez, on ne savait pas quel nom lui donner. Et donc, Monsieur Bernachon a donné le nom de ce gâteau, c'est le président. Et pour tous les Lyonnais, c'est le président. Et pour moi, c'est un grand gâteau au chocolat. Mais un gâteau que j'aime beaucoup et qu'on le voit, une tarte. Ça, c'est la vraie tarte tatin, vous voyez, où les pommes cuisent dans le beurre et le sucre. Et elle cuit très, très doucement pendant 3 heures. Et puis toujours la vraie vanille. S'il est attaché à la technique pure, Paul Bocuse est aussi la simplicité. Il va nous livrer une recette exceptionnelle, simple et rapide, les œufs à la Beaujolaise. Tu me fais le pain là, tiens. Oui, je vais faire. Le pain et puis le bousail. Allez, 2 minutes, on est bon. Ça va être vite fait. Œufs à la Beaujolaise. Meurette. Des œufs pochés Beaujolaise. Il faut des œufs, du Beaujolais, de l'oignon, du persil, du beurre, un peu de beurre manié, des croûtons. Donc, on met la cocotte et on met à revenir avec le beurre, on fait revenir les oignons. On fait revenir les oignons dans le beurre. Donc, c'est un petit réchaud, hein. Pour faire de la cuisine, on n'a pas besoin de grands fourneaux. Alors donc les oignons, il ne faut pas qu'ils roussissent. Hein. On va faire 4 œufs. Il faut faire un petit peu d'ail haché. Hein. Voilà. Donc on va mettre le Beaujolais. Et on va pocher les œufs dans le Beaujolais. Le vin cuit à peu près pendant une demi-heure. Et là, on va baisser un petit peu et on va pocher les œufs carrément dans le vin. Donc, on va réduire un peu le gaz. Voilà, ça boue. Et là, on va pocher les œufs dans le vin.
Et là, on va les laisser cuire à peu près pendant 5 minutes pour qu'on ait des œufs mollets. Donc maintenant, il faut avoir la patience d'attendre un petit peu. Voilà, les œufs là ont 5 minutes là. Ils sont bien jolis, ils sont bien ronds. Je m'en vais les égoutter. Hein. Là, les égoutter. Et je les tiens au chaud pour finir la sauce. Hein. Voilà, je tiens les œufs au chaud. Et là maintenant, je mets l'ail. L'ail haché, hein, beaucoup d'ail. Je sale. Et là, je m'en vais lier maintenant avec le beurre manié. Donc, on lie au beurre manié. J'ai fait des croûtons de pain poilane qu'on a frottés à l'ail. Hein. On met les deux œufs, les œufs pochés. Donc, la sauce va être prête. Un peu de poivre, là, où il est le moulin à poivre. Voilà, poivre du moulin, poivre noir. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à napper les œufs. Donc, c'est une cuisine très, très simple. Ah, j'oubliais le persil. Le persil. Et maintenant, on nappe les œufs. Voilà, c'est cuisiné sur un réchaud de camping. On accompagne ça avec un très bon verre de Beaujolais. Allez, bon appétit et large soif. Cheval Blanc, Château Yquem, Dom Pérignon, la cave du restaurant Paul Bocuse recèle des trésors inestimables. Donc voilà où sont conservées toutes ces bouteilles. Voilà, donc ici, on est dans l'allée des Bourgognes. C'est là que sont entreposés les grands crus bien connus du domaine de la Romanée-Conti. On a un exemplaire ici, sur le millésime 1976. C'est le plus convoité, c'est un vin rare, prestigieux, de grande qualité, bien entendu. On a peu l'occasion d'en servir, finalement, mais ça reste, c'est ce qui fait que ça reste des moments d'exception. Vous savez, aujourd'hui, il faut avoir de moins en moins de stock parce que ça coûte très cher. Mais enfin, on a à peu près tous les vins de France. Oui, on arrive à les principaux vins étrangers. Et je crois qu'on a une cave correcte. Les gens ne se plaignent pas. Eh bien, on a un bon sommelier. C'est difficile, mais autant on peut dire que Paul Bocuse est une personne entière, franche. On dit des fois d'un vin qu'il est franc. Je pense qu'on peut aussi employer ces qualificatifs pour Paul Bocuse. C'est quelqu'un de généreux, comme certains crus également, qui font preuve de générosité. Quelqu'un qui, je pense, apporte beaucoup du plaisir à beaucoup de personnes, au même titre qu'un bon vin. Moi, je crois que vous avez choisi quand même un bon métier, hein? C'est-à-dire que c'est un métier, bien sûr, qui est dur, qui est un métier qui demande beaucoup, mais c'est un métier de manuel. Et ce métier de manuel peut se transmettre de personne à personne, d'homme à homme. Dans ce métier, on apprend toujours. Mais ce qu'il faut faire, c'est être patient. Et puis, une fois que vous saurez, c'est vous qui allez transmettre, parce que c'est important. Et puis, notre métier, c'est un métier d'équipe. Il ne faut pas avoir peur d'être une équipe. Et c'est ça qui est formidable. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici à l'école de Bocuse et aussi pour voir le grand chef de gastronomie mondiale qui est chez Bocuse. Pour moi, c'est la chose super à ma vie. C'est, je ne peux pas le dire que le sentiment que je sens c'est ici en France, juste à côté d'un grand chef mondial chez Bocuse. À bientôt 76 ans, Monsieur Paul ne s'arrête jamais, sauf peut-être à l'école des arts culinaires qui porte son nom. Il vient partager avec ses jeunes du monde entier la passion de son métier.
Ce soir, c'est la remise des diplômes. Un moment qui lui est cher. Car pour lui, transmettre, c'est aussi une des valeurs fondamentales de la vie. Je suis très fier que l'école s'appelle l'Institut Paul Bocuse parce que j'ai toujours œuvré pour la transmission. Vous savez, on peut apprendre que par transmettre. Nous sommes des manuels, les livres c'est bien, mais le contact c'est beaucoup plus important. Pour résumer Paul Bocuse en un mot, on pourrait le comparer à un phare qui illumine dans la nuit. C'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur du monde. C'est un homme droit et régulier. En un mot, générosité. Simplicité. Et la générosité. Monsieur Paul, il est formidable. Pour moi, c'est un monument. Pour moi, Paul Bocuse, c'est l'ami. Un point, c'est tout.